Et bonjour tout le monde. Bonjour, connectez-vous, on va faire une vidéo ce matin. Simplement, vivez des moments exceptionnels à prix exceptionnel. Profitez dès maintenant de Disney Plus pour... Attends, si je descends là, l'appareil, ça va me projeter. Ça va pas s'arrêter, hein. Il faut enlever le truc rouge. Non, ça s'arrête, c'est pas comme ça. Donne-moi le téléphone. Maman, je suis horrible. N'arrête pas ça, tu me dis juste que j'arrête. Et quand moi je fais mon sport, je viens me lever, hein. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, vous allez bien? Oh, très bien, merci. Ses affaires, il n'y a pas de souci. De rien. Vous allez juste me dire ce qu'elle mange, ce qu'elle ne mange pas. Me donner quelque chose, non. Non, vous pouvez juste lui donner son argent de poche, il n'y a pas de souci, hein. Vous donnez à Nessa son argent de poche, il n'y a pas de souci. Me donner quelque chose, non, non, pas du tout, je ne crois pas. Vous êtes en difficulté, voilà, je vous viens en aide. Vous pouvez juste lui donner parce qu'on ne sait jamais. Aux miennes, à mes filles, je donne l'argent de poche. Donc, ce n'est pas grande chose, mais voilà quoi. Vous allez juste me dire ce qu'elles mangent, ce qu'elles ne mangent pas. Et puis, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci, hein. On a, c'est les grandes vacances, c'est ça? Oui, il n'y a pas de souci. Je vais, vous allez juste me dire s'il faut. Vous partez en voiture ou vous partez en transport en train? D'accord, ça marche. D'accord, on a encore le temps d'organiser ça. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Ok. Ok, il n'y a pas de souci. Hein. Merci. Je faisais du sport, hein. Je veux me remettre au sport. Ah, d'accord. C'est pas comme ça qu'on doit l'arrêter. Si tu veux l'arrêter, tu appuies sur stop. Si tu continues à l'arrêter comme ça, ça va se gâter. Coucou Tanti. Et bonjour tout le monde. Bonjour Guitas. Bonjour Anaya Nguapé. Bonjour Odette Bouteki. Bonjour Ashiona. Bonjour, bonjour tout le monde. Je me suis levé ce matin en joie. Et une homme Fignon. Moi je ne sais pas comment mes compatriotes. J'ai vu le message d'une homme Fignon qui m'a fait du mal.
Et elle voulait, vous vous imaginez que une personne, je vais vous raconter un petit histoire, moi je vais dire au Camerounais que je suis un maître qui a révolutionné la spiritualité, que vous le vouliez ou pas. Et moi j'ai toujours dit ici sur internet que tu me fais du mal, je te rends. Alors là-bas, votre mentalité peut être rétrograde, dis donc. Voilà une femme qui vient, je lui rends un service, je sauve la vie à son enfant, elle ne quitte pas, elle ne peut pas me faire du mal. Eh, oula! J'ai failli m'arracher les dents. Elle ne peut pas me faire du mal. Vous savez que dans les services ici en Bain, il y a les services où il y a les caïques. Il y a les services où il y a les Africains qui servent. Il y a des dans les services ici, je vais vous dire, hein. Il y a des Africains là, vos frères africains, ils servent de passeresse au Moukala pour livrer leurs frères. La dame me voit dans un serment, elle vous raconte l'histoire parce qu'elle a gâté ma matinée. Quand je n'aime pas quelqu'un, je ne veux pas. Il y a des choses quand je n'aime pas quelqu'un. Quand quelqu'un n'est pas bien, quand quelqu'un est mauvais, je ne l'aime pas. La dame, elle est quitte. Je pars faire mes vacations dans un truc. Ça, c'était même avant parce que maintenant... Moi, je, ça dit, on dit souvent dans la vie que Dieu te sort des ténèbres pour te mettre dans ce qui est plus bien. Je suis dans je suis dans un boulot de luxe actuellement. Et je passe une croix sur elle. Elle se la ramène. Oh, le docteur est là pour soigner les gens. On m'a une sorcière comme ça. Le docteur est là pour soigner les gens. Et point. Et vous, vous êtes là pour manger les gens. Qui vous a dit que j'ai envie de vendre mon âme au diable? Comment des vampires comme ça, là, dit dans Abafia, on ne vous a pas éduqué. Vous croyez que vous allez venir comme ça, là, quelqu'un vous donne tout, vous lui prenez tout, vraiment une bêtise comme ça, là. Faites vos conneries là-bas avec Jordan, hein. Ne sortez pas de là où vous mangez les gens, hein. Parce que si vous sortez de là, vous allez nous trouver dehors, hein. Vraiment une racaille comme ça, là. Les esclavagistes, les gens qui vendaient leurs frères, en tout cas, là. Parce que l'esclavage a d'abord commencé spirituellement, hein. Faites attention à moi, hein. Je suis un maître, hein, un vrai. Hein. Un maître qui refuse la corruption, d'amis. Hein? Le médecin, son père. Faites attention. Ma chérie, fais attention. Tu ne me connais même pas. Les vrais maîtres, même les vrais, vos vrais pères des ténèbres là, connaissent qui je suis, connaissent ma force de frappe. Quand vous venez, vous faites du bien, vous faites du mal. Vous voulez que quoi? Quand on reste là pour vous regarder, non. Moi, je dis laver les esprits, faites attention à moi, il faut quand même se méfier de moi. Alors, bonjour, bonjour, en dehors de la bimbèche là qui m'a énervé ce matin, parce que comme je ne l'aime pas, je ne voulais rien voir d'elle. Je me lève le matin, elle m'a laissé un message. Que jusqu'à dire que médecin, mieux de toi, tu es infirmière de la sorcellerie. Infirmière pour aller charger les maladies sur les gens dans le lit. Ouf, là-bas, sale femme, sorcière. Allez faire vos conneries là avec Jordan là-bas. Vous sortez de votre cadre là, même votre Jordan là, le met à sa place. Faites attention, il ne faut pas attaquer les gens. Ok? Voilà. Alors, nous autres, on est partis là où on mérite. Nous, on travaille là où on mérite. Voilà. Alors, moi, je vois sur la toile des compatriotes qui sont fiers. Ils sont contents que leur compatriote ait perdu. Vous savez, faites attention à la méchanceté. Vous les Camerounais, vous êtes très méchants. Vous êtes une méchanceté qui n'a pas de nom. Vous savez que le Cameroun, là, je vous le dis tous les jours, c'est un pays où tu peux te coucher dans ta maison. On vient, on t'accuse. La preuve, lors du non-hold-up électoral, il y a nos compatriotes du MRC qui marchaient. Ils marchaient juste. Ils étaient juste là pour revendiquer les lendemains meilleurs. On les a arrêtés. On les a incarcérés. Les francs-maçons, les exécutions ont pris leur âme. En complicité, souvent, surtout avec, avec leurs AP. On a pris leur âme, certains sont morts. Il y a des familles endeuillées. D'accord? Donc,
Vous êtes supposé savoir que on est dans un pays où... Attendez, je sors mon téléphone de là. On est dans un pays qui est dominé par une spiritualité corrompue. D'accord? On est dans un pays qui est dominé par une spiritualité corrompue. C'est pour ça que je vous dis tous les jours que si vous voulez faire tomber le régime, il faut d'abord faire tomber les chaînes et les barrières spirituelles. C'est comme ça que moi je fonctionne. Lorsque je tombe sur quelqu'un qui fait du mal dehors, la marché et tout, je diminue, je ferme sa sorcellerie là. Si vous ne le saviez pas, quand tu amènes ton enfant chez moi, même si je me rends compte que c'est toi-même qui manges ton enfant, regarde ça. Tu ne manges plus l'enfant là. D'accord? Alors, je vais vous dire quelque chose. Tant que le plan spirituel n'est pas résolu dans notre pays, un bien va remplacer un autre bien. Moi, je vois les gens s'agiter là sur Internet, ils font des trucs. Ce n'est pas Francis Ngannou qui est la source de vos problèmes. Francis Ngannou a une fondation au Cameroun. Quand je vais finir de vous dire ça, vous laissez le gars là. Parce que moi, je siffle toujours la fin de la récréation. J'ai le marteau et la plume. Dieu donne à qui il veut. J'ai le marteau et la plume. Francis Ngannou est victime d'un système bien établi. Vous avez vu que Francis Ngannou, avant quand il boxait, il n'était pas avec ces gens-là. Tout allait bien. C'était un révolté intérieur. Mais lorsqu'il a voulu créer sa fondation, la paperasse doit passer par ses démons. Du coup, à un moment donné, ils attendent toujours les gens au tournant. Samuel Eto'o, je ne vais pas le dédouaner. Je ne vais pas le dédouaner parce que c'est un enfant qui a le gros cœur comme ça. Samuel, lui, il s'est fait arnaquer des millions parce qu'il voulait investir pour son propre pays. À un moment donné, les gens se disent quoi? Je ne vais pas vous dire le nombre de personnes qui m'appellent. Parce que certains gens m'appellent ma lame de Facebook. Mais si je leur dis le nombre de personnes qui m'appellent par derrière, ils ne vont pas croire. Les gens savent qui est vrai. Les gens savent qui n'est pas vrai. Ils savent là où. Ils connaissent la personne qui peut faire couler le miel et le lait. D'accord? Mais nous t'inondons les dieux pas. Quand ça s'est Congo. Ah, il y a quelqu'un qui me demande pourquoi votre langue est toujours rouge. Moi, j'utilise ce dentifrice. Il est vendu en France. Voilà. Il est très très efficace, il coûte cher, 5 euros et quelques, mais très efficace. Voilà, je voulais répondre à Stéphanie Manjob. Voilà le dentifrice que j'utilise. Elle maintient ma bouche très fraîche toute la journée et ça rend la langue rose parce que la couleur du dentifrice, elle est rouge. Le rouge et le blanc font le rose. Voilà ça. Merci. Alors, je voulais vous dire que Samuel Eto'o, au départ, voulait faire des grandes choses. Quand vous voyez quelqu'un comme Samuel Eto'o, il a un gros carnet d'adresses. Il voulait ramener les investisseurs dans son pays. Parce que là où vous voyez les Mbengis, c'est des gens qui aiment leur pays. Hein. Même ceux qui sont calés en exil là, ils aiment leur pays. Si les gens qui sont au pouvoir leur donnent une chance de s'exprimer tout en venant dans leur pays, il y aura des belles choses qui vont se passer au Cameroun. Ok? Alors, Samuel Eto'o, lui, il a épousé le système parce qu'à un moment donné, il ne voulait pas se retrouver dans de la merde. Parce que je vais vous dire quelque chose. Regardez-moi par exemple. Je n'ai plus besoin de vous dire que je suis un maître dans la spiritualité.
Mais il y a des personnes qui viennent vers moi, qui veulent abuser de moi. Parfois, ils voient, je suis une femme. Ils croient qu'ils peuvent abuser de moi. Ils ne savent pas que on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace. Ils ne savent pas que je suis à ma cinquième vie, ou je sais quoi, ou à ma dernière vie sur terre. Voilà. Ils ne savent pas que je suis à ma septième vie, je ne crois pas sur terre, et que j'ai traversé beaucoup d'autres vies. Ils ne savent pas que j'ai été préparé dans les astrales avant de venir sur terre. Ils croient me tromper, mais ils se trompent. Parce qu'en effet, je vais dire aux gens qui viennent vers moi, à la bande à Véronique et autres là, quand vous venez vers moi, je sais déjà qui vous êtes. Mais les sages m'ont conseillé d'apprendre à fermer ma gueule. Mais quand vous me cherchez, je vous dis qui vous êtes. En privé, bien sûr. D'accord? Samuel est lui, c'est un jeune garçon qui a une forte estime pour sa patrie. Mais tellement, vos frères, nos frères, vos dirigeants l'ont arnaqué, qu'il est parti déposer ses biens en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous, à l'aube de sa vie, la femme ivoirienne la confisque ses biens. Ce sera à cause de vous. Hein? L'homme camerounais n'aime pas son frère. Le Camerounais devient un danger pour son frère. Nos dirigeants vous ont fait quelque chose, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Nous autres qui sommes restés authentiques, je ne sais pas. Quand vous voyez les gens maintenant, les gens fonctionnent par intérêt. D'accord? Les gens fonctionnent par intérêt. Quelqu'un part de nulle part, elle vient et pleure. Wow, mon fils, oh, wow, mon fils, tu sauves son fils. Elle est dans les clans de sorcellerie. Mais dans ces clans-là, je vais vous dire comment elles font. Il y a certaines mamans là dehors, là, ici en France, là. Elles ont sacrifié un de leurs enfants pour devenir, parfois même pour voyager. Elles étaient dans les clans de sorcellerie, elles ont sacrifié un de leurs enfants. Quand elles arrivent ici en Europe maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens du clan de la sorcellerie, ils mangent, c'est comme la tontine. On mange pour Jeanne, on mange pour Jeanne, on mange pour Véronique, on mange pour... Quand elles arrivent en Occident maintenant, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont tout. Mais elles voient comment on est en train de manger, maltraiter leurs enfants. Maintenant, elles veulent, comme c'est des vampires, elles veulent avoir le pouvoir absolu sur son enfant. Et elles ne peuvent pas contourner sa loge, elle ne peut pas contourner son clan. Elle cherche des personnes, des maîtres spirituels qui sont naturels pour venir l'aider à sortir leurs enfants pour qu'elle parte manger. Dès que tu sors son enfant de là, elle-même prend un billet d'avion, elle peut au Cameroun, elle parle manger. Elle est maintenant la seule. Elle cherche les protections extérieures pour être les seules à manger leurs enfants. Je vais vous expliquer ça vers la fin. Alors, les gens, les gars comme les Samuel Eto'o, ils sont victimes d'un système qui les a rendus méfiants. Aujourd'hui, moi-même, je vais prendre l'exemple sur moi. J'ai du mal à rendre service à mon frère camerounais. Parce qu'il y a toujours le retour de la médaille. Il y a toujours quelque chose qu'ils vont faire, c'est-à-dire que quand ils voient que tu excelles dans ton domaine, ils vont toujours chercher à te salir. Ils vont toujours chercher à te rabaisser. Ils vont toujours chercher une petite faille qui n'existe pas. Pour montrer que tu as des failles. Vous avez vu ici dernièrement, quand j'ai eu la vision de comme quoi la Côte d'Ivoire n'allait pas remporter la coupe, qui était une vision sûre que les esprits m'avaient rapportée. Après, à côté de ça, j'ai des compatriotes, les reines de la sorcellerie à outrance, les reines de Facebook, les reines qui sont là pour prendre les énergies et aller revendre ça dans le système en place, qui sont là, ils ont l'œil braqué sur moi. Sauf qu'en effet, elles ne savent pas que leur vie n'a pas de sens et la mienne a un sens. Ce n'est pas les immeubles qui font un homme. Ce n'est pas les bagnoles qui font un homme. Lorsque tu as vendu ton âme au diable, tu l'as vendu. Ok? Tu ne peux pas être la reine des ténèbres, la prophétesse des ténèbres, et tu viens te mettre pour guetter la reine de la lumière, pour attendre une erreur qu'elle va faire.
ce n'était pas une erreur. La Côte d'Ivoire devrait perdre. Elle ne devrait même pas aller au huitième de finale. Ils ont fait la sorcellerie, le vaudou. Parce que dans ce monde de maintenant, les gens arrachent les choses par force. Les gens arrachent des choses par la force, mystiquement. Et leur avantage, c'était que le match se jouait dans leur champ magnétique. Le champ magnétique, je vous ai déjà parlé du champ magnétique. D'accord? Lorsque tu es dans le champ magnétique de quelqu'un, même si tu es puissant n'importe comment, il y a les pays tels que le Burkina qui font le vaudou. Il y a le Nigeria qui excelle dans le vaudou, le Ghana. Mais ils étaient dans le champ magnétique de ces gens-là. Ils n'ont pas la conscience tranquille. Mais en effet, comme j'avais dit, j'attends, ça va venir nous trouver ici sur Facebook. Ce n'est pas encore sorti. Vous savez que moi, quand je dis mes choses, ça arrive. Il y a des millions de milliers de d'Ivoiriens qui ont été sacrifiés par rapport à cette coupe. Parce que leur président veut faire bien comme Paul Biya. Il veut rester ad vitam aeternam au pouvoir. Et il a sacrifié une partie de sa population. Les morts en série de ça. Les accidents de ça. Les crimes rituels de ça en Côte d'Ivoire. D'accord? Alors, lorsque les gens ont des ténèbres guettent dans ma direction en croyant qu'elles vont se redorer le blason, si on discrédite la reine de la lumière, moi je leur dis, comme j'avais dit, vous allez trépasser, tu vas mourir, vous allez mourir. Quand on te dit quelque chose, regardez un peu Billy le gifleur. Lorsque Billy a giflé ce papa qui défendait ses intérêts, il était gonflé. Il était sur Internet, Billy le gifleur, vous devez me donner les médailles. Mais ça fait un temps qu'il demande pardon. Parce que ce monsieur l'a touché spirituellement. Et s'il ne réussit pas à recevoir le pardon du monsieur, vous allez voir ce qu'il va devenir. Soit il va devenir fou un matin, soit il va commencer la maladie qui ne va pas s'arrêter. Et j'avais vu l'histoire si depuis, j'avais dit dans un commentaire que faites attention. Je lui ai dit, fais attention à ta grande gueule. Ce monsieur, il t'a touché spirituellement. Ça s'adresse aussi aux gens qui débattent un matin. Elles viennent sur Internet. Elles viennent attaquer les mères de famille comme nous. Et quand on leur parle, elles disent, Laura Kameni a parlé jusqu'à fatiguer. Ma chérie, tu vas tomber. Je peux te confirmer ça ce matin. Parce que je suivais ce que je dis tous les jours jusqu'à ce que les gens qui m'attaquent tombent. Tu peux monter. Tu peux descendre. Les faux apôtres de merde de Marseille peuvent te proposer une délivrance, mais tant que ce n'est pas Kameni qui te libère, tu ne seras pas libéré. C'est moi qui te dis ça. Je sais de quoi je parle. Ça peut mettre 6 mois, ça peut mettre 1 an, mais ma parole ne tombe jamais à terre. Tu attends avec quoi? Ceux qui me connaissent savent que quand je dis quelque chose, ça arrive. Tu montes, tu descends. Dieu va choisir entre toi et moi. Et il ne peut pas te choisir parce que tu as trempé la main dans des conneries. Il sait ce qu'il a fait de moi. Il sait ce qu'il tire comme profit de moi. Parce que je ramène des âmes à lui. Je parle du vrai Dieu. Faites attention. Moi, je vais vous donner encore un conseil ce matin. Faites très attention. Parce que on est dans un pays avec des compatriotes. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Maintenant, comme il y a trop de ces beaux aïeux là qui ne savaient pas qu'ils vont arriver un jour, ils marchent pendant 10 ans pour arriver en Belgique, ils ont le cœur noir. Moi, j'ai peur de mes compatriotes de l'Occident. D'accord? Ok, j'ai peur d'eux. Qu'est-ce qui peut vous faire mettre la joie au cœur? Que Francine Ngannou a été battue. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que ça peut être un arrangement entre eux, les fratères. Vous n'avez même pas vérifié tellement vous êtes méchant. Francine Ngannou voulait monter son académie au Cameroun. Il est obligé de faire semblant d'être avec ces gens-là. Vous connaissez les bâtiers? Vous connaissez les bâtiers? Plus rusé qu'un bâtier, ça n'existe pas. Qui vous dit que Francine Ngannou n'est pas en train de... C'est-à-dire qu'ils se sont entendus, ils ont dit non, tu ne peux pas battre ce champion-là parce que voilà, tu ne peux pas faire ce que tu as fait à Tyson Fury. Et on lui donne son argent.
parlez de lui comme vous voulez, il en a cure. Hein? Il en a cure. Il a son argent. C'est vous qui passez le temps sur Internet à venir parler de lui. Il ne parle pas de vous, mes cocos. On est d'accord? Avant de vous prononcer sur une affaire, parfois vous nourrissez certains égrégores. Moi, je ne comprends pas. Avant de vous prononcer, moi, quand je veux me prononcer sur une affaire, je prends beaucoup de recul. Moi, j'ai vu le mari de notre diva Charlotte qui utilise sa page, ce pervers narcissique. Si vous avez constaté, la plupart de nos divas, lorsqu'elles se marient, leur muse s'éteint. Parce qu'à un moment donné, quand tu te maries avec un homme, vous ne faites qu'un. Ma chérie, tu te rappelles de Vemba? Je pense que ton mariage va finir comme Vemba. Je crains que un matin, tu viens nous dire cela que oh, ça ne va pas. Tu ne connais pas spirituellement la personne avec qui tu t'es mis. Bien que toi-même aussi, tu ne sois pas clair sur le plan spirituel. Mais il est plus puissant que toi. Je vais te dire quelque chose. Il ne faut pas te mêler dans les histoires que deux hommes ont eues ensemble. Non. Ce monsieur est plus puissant que toi. Ton obédience, là où tu es, est en dessous de l'obédience de ce monsieur qui utilise ta page. C'est un manipulateur. Ou c'est un gongo, ou c'est un gongwe, ou c'est quoi. Prenez du recul pour certaines choses. Que Cédric Doumbé ne gagne pas, où est ton problème? C'est ton frère, c'est ton compatriote. En plus, c'est ton frère Douala. En plus, c'est ton frère Douala. Charlotte, Madiva, qu'est-ce que tu gagnes? Même si Cédric Doumbé a un caractère minable, de ouf. Vous voyez comment vous traînez votre propre pays dans la boue? Je dis quelque chose aux Camerounais aujourd'hui. Si on pouvait taire, vous pouvez taire vos démons, qu'au niveau de la France, il y a les associations du Onkam, de Dundé, un peu comme notre frère fait là, notre frère Benzinia. C'est un gars, un rassembleur Benzinia. Benzinia, moi je l'ai connu, il fréquentait au collège IPF à l'époque. Et je le connais depuis, juste à côté de chez nous, on se voyait, parfois il venait s'asseoir chez nous là parce qu'on avait un bar. Benzinia, c'est un rassembleur. Il est au cœur des associations d'UNDE à Paris. C'est tous les acteurs. Moi, j'ai vu aussi la dernière fois, il y a Maître Amédée Toukokom qui m'avait invité dans un truc des Bapuncha. Des Bapuncha ou c'est Bapuncha, quoi là. Mais sauf que pour casser un système comme celui qui est au Cameroun, il faut se rassembler. Le système qui est au Cameroun n'aime pas quand les gens s'entendent. Vous entendez avec quoi? Vous avez vu Moania Saba la dernière fois? Elle est partie faire sa sorcellerie parce que c'est une vampire. Elle a voulu faire ses conneries là avec moi. Mon équipe et moi, on l'a mise à sa place. Elle allait penser ses plaies. Quand elle revient comme ça, là, ça veut dire qu'elle a ressuscité un de ses totems. Et dans sa famille, c'est tout le monde qui pleure. Elle avale tout et n'importe quoi. Elle avale tout. C'est-à-dire que c'est une femme. Spirituellement, elle avale tout. Si on avait des associations ici, ben oui. C'est pour ça que les Sénégalais et les Maliens nous dépassent. Vous voyez, les Maliens, ils ont un immeuble ici à Nidefort. Ils pensent que c'est à Porte de Clichy. Ou quand tu viens, tu n'as pas tes kaolo, tu loges là-bas. Quand tu trouves un frère là-bas, il te donne ses kaolo, vous travaillez, ça gère entre vous. Les Maliens ne partent jamais à Western Union et à Monégram pour envoyer de l'argent. Ils donnent ça à quelqu'un qui voyage. Eux, ils rassemblent l'argent, ils donnent à quelqu'un qui voyage. Et en retour, on paye les commissions. Mais les Camerounais, vous ne connaissez pas Kamini. Vous ne connaissez même pas le maître, le spirituel Kamini. Oh, madame de Facebook. Oh, Emma. Oh, elle a fait ci. Vous croyez détruire qui? On ne détruit pas ce que Dieu lui-même a mis sur terre. Vous savez, moi, Kamini, je suis né avec le marteau et la plume. J'ai combattu ma mère pour garder ça. Parce que ma mère, c'est la reine des sorcières. Pas vos bêtises que vous faites là. Mes frères,
C'est les rois dans le monde occulte. Mes soeurs, tu t'amuses demain, tu ne te lèves pas. J'ai grandi parmi ces vipères. Je suis sorti, j'ai atteint cet âge-ci. Et vous croyez que qu'est-ce que vos langues perfides peuvent me faire, moi? Quand Dieu met sa graine en quelqu'un, quand il met une lumière, j'ai atteint un niveau où quand j'arrive dans un milieu où il y a le satanisme, il ne me supporte pas. Demandez, on va vous dire. Quand j'arrive dans un service où il y a les satanistes, ils étouffent. À la fin, ils étouffent. Ça les brûle. Demandez aux Véroniques, elles vont vous dire. Elles le savent mieux que quiconque. Quand j'arrive dans une maison où il y a la narque spirituelle, les gens étouffent. Ma simple présence nettoie tout. Et qu'est-ce que vous croyez que vous puissiez dire sur quelqu'un qui a atteint un niveau de spiritualité comme moi? Vous êtes mauvais, c'est vous qui détruisez vos étoiles. Francine Ganou n'a pas besoin que vous l'aimiez ou pas. Francine Ganou est dans une obédience très... Il n'a pas besoin de votre amour. Il est dans une obédience très élevée. Il n'a pas besoin de ça. Lui-même, il vous a dit que maintenant, il cherche l'argent. Vous ne connaissez pas ses projets. Je ne peux pas être en train de rire quand quelqu'un qui hisse le drapeau... Mais vous vous prenez pour qui? Vous connaissez les gens qu'il y a là-bas au Cameroun? Vous connaissez leur identité spirituelle? Regardez, Niette. Il meurt, il ne meurt pas, il meurt, il ne meurt pas. Depuis qu'on avait tué son totem, il meurt, il ne meurt pas, il meurt, il ne meurt pas, il meurt, il ne meurt pas. La nuit, tu vois, on tape son totem, le jour, il est là, il fait quoi? Un autre jour, il récupère un autre totem. C'est des gens qui ont pris 44 ans pour implanter leurs racines dans le sol. On ne joue pas avec des gens comme ça. C'est des gens, il faut les diminuer spirituellement. Ben oui. À l'époque, quand nous sommes venus ici en Bengale, quand il existait encore le prêtre à partir, il y avait des moments où tu vois quelqu'un comme ça là. Il te dit, oui, j'ai mon frère qui est là-bas au Mboa. J'ai ma soeur. Tu donnes tes kaolos. Parfois, tu pars même en vacances, tu donnes tes kaolos. La personne dit, avait vite fait, on payait 1 million. La personne dit, avait vite fait, elle te renvoie tes kaolos. Toi-même, tu rentres avec. Mais aujourd'hui, tu essayes de donner tes kaolos à quelqu'un même pour travailler. La personne quitte. J'ai donné mes kaolos dernièrement à une fille Bassa pour travailler avec quand j'étais encore pour ça fait longtemps. Elle est partie s'associer avec les Bassa de Toulouse. On lui a dit que profite, tu parles, leur dire que tu travailles pour elle. Sauf que moi, j'ai toujours au moins 5 niais français dans ma poche. Qui me disent tout. Ça prend ou à laisser. S'ils veulent que je leur donne de quoi lever leur manze, il faut qu'ils soient de mon côté. Puisque quelque part, ils savent que je vais leur donner quelque chose en retour. Mon base est Sindo, t'es pauvre. D'accord? Moi, je demande aux Camerounais ici que les associations, ils doivent créer des associations respectives. Mais si on crée les associations respectives, tu vas voir un feignant va venir s'asseoir, il prend l'argent des gens, il fuit avec. Ou plutôt, tu vas voir, ils viennent là-bas, les sorciers commencent à flasher la nourriture des gens et tout, ils divisent les gens. Je vais prendre l'exemple de la basse. Quand la basse a commencé, j'ai mon frère Juju, qui est commissaire plein à l'aéroport de Yaoundé, mon Juju. Et ils avaient peur comme ça, ils me donnaient les informations de tout. Mais il y a des gens qui passaient par derrière. Parce que mon Juju l'a dit qu'il avait même des collègues qui donnaient des renseignements à la basse. Pour leur dire que voilà, le Nomgui est parti, le Nomgui est descendu, tel est venu marcher et tout. Mais à un moment donné, quand les femmes comme les Sandy Boston, les femmes aux cuisses légères, comme les Sandy Boston, la raclure. Les femmes qui sont sorties des teams, les teams de la sorcellerie. Des minables femmes qui se sont toujours ennuyées sur le nez. Et qui ont trouvé les combats pour venir redorer leur blason.
quand les minables femmes comme les Sandy Boston sont entrées dans le truc, parce que moi je vais vous dire, l'argent ne fait pas tout, hein. Le poste ne fait pas tout, hein. Il y a des gens ici, elles peuvent être cadres de service, mais elles ne valent que dalle en réalité. Elles n'ont pas de personnalité. C'est comme ça Sandy de Boston. C'est quand les filles comme ça là, qui mangent avec le diable et elles veulent que le diable s'associe à elles, elles ont commencé à venir. Elles sont parfois dans les combats pour séparer les gens. Elles viennent là, elles vous montrent qu'elles peuvent s'asseoir par terre. On verse, on pue vélo. Mais en fait, elle est de l'autre côté. Mais si on vous dit ça, vous n'allez pas croire. Parce qu'elle s'arrange à ce qu'on voie qu'elle est vraiment quelqu'un qui combat pour la libération du Cameroun. Mais non. Mais non. Elle est dans les obédiences. Et je vais vous dire une chose. À la franc-maçonnerie, ils disent à leurs fratères que tu dois te battre pour les intérêts de la franc-maçonnerie avant tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu veux construire ton pays, ils vont te tenir en laisse. Parce que les francs-maçons, les gens des loges, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils amènent leur loge en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne le gèrent pas comme ils le gèrent avec les Occidentaux. Ils tiennent ces gens avec des maladies, c'est-à-dire qu'ils ont toujours des maladies, on les met toujours des puces dans le corps là. Le diabète, le cancer, la maladie dont s'ouvre la pembèche là qui voulait m'attaquer sur le net là, qui parlait l'autre jour, elle est en, que je disais qu'elle est tachycarde, bradycarde. J'avais dit ça une fois, vous avez cru que je blaguais. La pembèche là qui n'est pas capable de vivre une vie saine, tellement une misère. L'hypertension artérielle, ils ont toujours une maladie qu'on les contrôle avec ça, c'est des puces stratégiques. D'accord? Ici, en Occident, quand tu vois quelqu'un, même des collègues qui sont dans des conneries là, ils te disent que je suis franc-maçon et toi? Ils sont libres, on ne les contrôle pas. Mais en Afrique, quand on part là-bas, on contrôle nos dirigeants avec ces bêtises-là. Et ils croient qu'ils sont dans quelque chose d'énormissime. Mais en effet, ce n'est pas ça qui est le problème. C'est les clans dont ils appartiennent. Les clans des serpents, le clan des panthères, le clan des ours, le clan des lions, le clan des... D'accord? Les gens comme les Sandy Boston, c'est des gens stratégiques qui infiltrent les vrais gens. Elle vous prend vos énergies, elle vous sépare. Vous commencez à avoir des discordes, vous ne savez pas d'où ça vient. Mais en effet, je vous le dis, si on vous dit que c'est elle, vous allez manger le feu, que ce n'est pas elle. C'est là où, à un moment donné, mon juju me dit que, là-bas, ça a dit, donc c'est devenu quelque chose que, il y en a même parmi eux qui appellent pour donner des renseignements. Il y avait des gens qui appelaient. Quand leurs camarades de lutte n'étaient pas répertoriés dans le fichier, ils appellent là-bas, à l'aéroport. Ils disent à mon juju qu'il y a tel qui vient, il est de la basse. Mon juju me le disait. Et moi, je disais à mon juju que ça me les bêtises. Tu travailles ce jour-là, lui. Alors, il n'est pas répertorié, il a le droit de venir dans son pays. Heureusement que moi, je suis quelqu'un qui donne des conseils. Entre eux, ils commencent à se manger. D'accord? Ok? Donc, Francine Ganou n'en a rien à foutre de votre avis. Et je siffle la fin de la cabale contre lui. Vous ne savez pas ce que les gens subissent. Je vous ai parlé ici d'un ministre qui était au Cameroun actuellement. Il est devenu le ministre le plus corrompu de la terre. Le monsieur était très puissant. Il avait un pouvoir naturel. Vous savez ce qu'on a fait? Comme il combattait les mauvais gens, le préfet de sa ville a monté une dame, une pauvre dame, qui était à peine habillée, une pauvre maman. Elle est venue avec sa fille. Oh, ma fille, papa, aide-moi, j'ai pas l'argent. Le monsieur prend l'enfant, il part dans les lieux sacrés. La mère dit qu'elle veut aller en haut acheter quelque chose. Elle revient avec la police. Ouh, il a violé mon enfant. On a attrapé le monsieur. On a mis en détention. Le monsieur était dépassé. Le préfet l'a appelé un jour. On lui a dit, dorénavant, tu travailles pour nous.
et pas contre nous. Ce que je vous dis, c'est passé au Cameroun. Le monsieur là maintenant, quand il appelait les gens qu'il connaissait, qu'il soignait, il soignait parfois des gens et tout. On disait que, ah tu sais, comme c'est déjà à ce niveau-là, on ne sait même jamais. Comment toi aussi tu as fait ça, non? Il dit, mais je ne l'ai pas fait. Quand il est sorti de là, quand tu arrives chez lui aujourd'hui, avant de te soigner, il regarde d'abord pour savoir si l'un des gens des loges là. D'ailleurs, même, il est même allé entrer dans la rose, quoi, obédience de Yaoundé. Il travaille maintenant que pour les ministres. Un pouvoir gâté. Je lui avais dit la dernière fois que quand tu as les esprits, on t'attrape, tu envoies les esprits en guerre contre eux. Le meilleur gagne. Le préfet là, tu le mets au sol. L'autre vient, tu le mets. Faut penser à ça. Tu sauves ton honneur. D'accord? Le monsieur est devenu le ministre des sorciers de Yaoundé là. Il a les maisons partout. C'est-à-dire que parfois, il a des maisons qu'il oublie même une autre maison. Les voitures. Partout. Il oublie parfois, il passe à la rue, il dit, hey, la voiture, si c'est pour moi, non. C'est un ministre qui m'a aidé ça. Tout ça à cause de vous. Les personnes qui se prévalent être neutres ne se défendent pas. Ne défendent pas leur neutralité. D'accord? Vous devez vous affirmer en tant que tel. Vous ne devez pas toujours vous cacher derrière les gens pour croire que c'est les autres qui vont parler pour vous. Ce pays que vous appelez le Cameroun, si vous ne vous levez pas, il y aura un bain de sang là-bas. Ça fait des années que je le dis. Le temps est en train de se rapprocher. Moi, je ne sors pas d'une victime. Quand je dis quelque chose, c'est ça. Parce que je veille à ce que mon information soit fiable. Spirituellement, bien sûr. Moi, je voulais parler à Ferdinand Gongo. Ferdinand, bonjour. Je crois t'avoir déjà croisé sur le plan spirituel. Et contrairement à ce que tu peux être physiquement, tu ne l'es pas. C'est-à-dire spirituellement, tu sais te mettre à ta place. Quand tu tombes dans les naseaux des gens comme nous. Alors, je voudrais que tu fasses, trouve un moyen de me dégager, moi, Nia Saba. Trouve un moyen, comme tu as fait pour les hommes, là. Tu me dégages, moi, Nia Saba. Mon cœur fait mal. Je n'aime pas la femme, là. Ferdi, fais partie de Moania Saba de là où elle est, qu'elle devienne une raclure. Elle a un diplôme d'infirmière diplômée d'État en France, qu'elle vienne ici faire la sorcellerie comme les Véroniques. Parce que ce sont les gens comme ça qui chargent souvent les patients des malades. C'est leur rôle dans l'astral, dans le bas astral. C'est quoi ça? C'est leur rôle dans le bas astral. Vis-moi cette femme-là. Elle a un métier, un beau métier. Elle a un diplôme d'infirmière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'est assise. Elle a fait l'école d'infirmière. C'est pas donné. C'est 3 ans. Hein? Vis-moi Mania Sabala de là. Tu n'as pas besoin d'elle. Cette femme est infeste. Cette femme est dégueulasse de la tête aux pieds. Elle croit que pour garder le pouvoir ad vitam aeternam, il faut avaler ses nièces. Elle part chez son neveu. Donne-moi ton enfant là. Machin et tout. Elle avale. Elle sacrifie. Elle fait ci. Elle sacrifie l'enfant de terre. Elle sacrifie. Elle sort même de son cadre familial pour sacrifier un enfant qui ne demandait qu'à vivre. Laissant une pauvre mère en désarroi. Moi, Nia Saba, je te mets au défi. Viens faire ça à un de mes enfants. Vous faites ça aux mamans qui sont pauvres. Viens faire ça à un des miens, quelqu'un qui est dans mon sillage, que j'aime bien. Sorcière.
ton oncle. Et là, il est comme ça. Il est comme ça. Il est... Mais comme ton oncle va partir, il va quitter la terre. Ce n'est pas une joie intense. Il a vécu. Il est vieux. Quand tu vas partir, tu vas partir. Et après, tu vas mourir. Telle est ta sentence fatale. Pour que le Cameroun évite des problèmes de bain de sang, les Camerounais doivent commencer à être unis. Je sais que c'est mission impossible, mais faites même semblant. Arrêtez de vous attaquer aux gens. Tu as compris, Véronique, tu attends avec quoi? Arrêtez de vous attaquer aux gens qui ne vous ont rien fait. Nous, on sait que vous êtes des sorcières. Nous, on ne peut pas vous aimer si vous ne nous aimez pas. Vous vous prenez pour qui à la fin? Vous croyez que j'ai besoin de me lever un matin? Quand j'ai dormi, j'ai même eu du mal à avoir sommeil. Je vois le message d'une Véronique, mais arrête ça! Mamie, je peux t'amener très loin, hein, dans des dimensions où tu ne vas pas t'en sortir. Hein. Quand vous êtes mauvais, restez dans votre mal. Ne cherchez pas à oindre tout le monde de votre mal. Sorcière. Ce que vous faites avec les Bajordan, ne sortez pas du cadre des Bajordan avec ça pour venir nous attaquer sur notre champ magnétique. On ne va pas vous laisser. Moi particulièrement, je rends à César ce qui lui appartient à Dieu. Œil pour œil, dent contre dent. Quelle que soit la façon dont je riposte. Faites attention quand même. Je ne suis pas seul qui va venir dire, ouais, ma chère et tout. Je rends compte à Dieu. Je dis, voilà, cette dame, j'ai fait telle chose pour elle, telle chose pour elle. Elle m'a fait telle chose. Elle s'est associée à Jordan pour me traîner dans la boue. Et elle continue à m'envoyer des messages. Je te rends. Tu ne vas rien me faire. Nous, on ne peut pas accepter que vous veniez me voler une étoile aussi importante, une étoile aussi virulente. Je ne vous donne pas mon étoile. Attendez, oh, vous croyez que vous allez faire votre truc que vous faites? Vous vous associez aux petits francs-maçons, vous venez arracher les étoiles des gens? Non! C'est mon droit le plus absolu de refuser de te donner ce qui est une richesse pour moi. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris que si tout le monde défendait son étoile, les gens comme les Moania, ça va, les Véroniques n'existeraient pas, les Jordan? Nous, ma chérie, quand on arrive dans un milieu qui est malsain, on ne reste pas, même si on nous donne les millions. Je vais vous raconter une histoire. J'ai travaillé dans un... Ça, c'est de l'histoire ancienne, hein, parce que maintenant, si cette bémèche n'était pas venue me laisser un message ce matin, je n'en aurais plus parlé. Parce que je crois quand même que Dieu remplace souvent les choses médiocres par des belles choses. Tout va très bien pour moi. Hein. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous êtes sous embargo spirituel, méfiez-vous des embuscades, ne vous attachez à rien. Il y a toujours un endroit sur terre qui vous pouvez trouver votre compte. Quand vous vous accrochez sur tout et n'importe quoi, vous laissez votre âme et votre étoile sur le paillasson. Moi, je m'accroche nulle part. Quand j'arrive quelque part, je sens qu'il y a les mauvais esprits, je retire mon pied, je sors. Ok? Alors, avant de vous parler de la spiritualité, je voulais clôturer l'histoire de Francine Ngannou. Francine Ngannou n'est pas votre camarade. Francine Ngannou, c'est votre compatriote. D'accord? Lui, vous ne savez pas les arrangements qu'ils ont. Mon fils fait la boxe anglaise. Ils font trop d'arrangements là-bas. Mon fils Christian fait la boxe anglaise. Il y a trop d'arrangements là-bas, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas marcher et tout. Ils font trop de deals là-bas. D'accord? Vous ne savez pas si la dernière fois il a bastonné Tyson Fury, qui a bastonné Joshua. Mais oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans leurs arrangements, on lui a dit que cette fois-ci, tu ne dois pas le taper parce que quand même le monde entier, malgré le fait que Joshua a gagné, ils ont vu que c'était le trucage, tu dois tomber.
Ngamo a sa, sa, il a son, il a son, son, il a encore le temps. C'est son temps maintenant. Les enfants qui viennent derrière lui, le temps qu'il se prépare, Ngamo a encore du temps de se faire les couilles en or. Il a encore le temps de se faire les couilles en or. Donc vous, qui passez le temps à faire vos conneries là, vous n'êtes même pas d'abord, car moi je vois certains gens, ils disent qu'ils sont dans le combat, toujours dans la récupération. Samuel Eto'o, il est comme le système l'a voulu. Pour qu'on gagne nous construise son complexe au Cameroun, il doit passer par ces démons là. Du coup, il est obligé de faire semblant d'être avec eux. Vous entendez avec quoi? Arrêtez de faire comme si c'était vous, vous auriez bien fait. Hein? Samuel Eto'o, pour qu'il soit en vie, il est obligé de faire avec ce système. Il fut un moment où Samuel envoyait de l'argent, on lui en naquait de l'argent. Les Camerounais te poussent à bout jusqu'à un moment. Même moi, même si je n'étais pas fort, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de coups de fil des personnalités qui m'appellent. Calmez-vous. Ne croyez pas que ce que vous faites là, c'est fait. Non, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de coups de fil qui est par personne interposé, comme les trucs qu'on me propose. Non, je ne suis pas dedans. Je suis juste la fille de papa Mi. Pendant que certains sont là, ils croient que je suis leur camarade. Elles croient qu'elles peuvent me piétiner. Il y a des coups de fil pas possible que je reçois et que je rejette cordialement. Parce que je ne veux pas jouer à ce jeu. D'accord? Si je voulais jouer à ce jeu, aujourd'hui je ne ferai même plus des directs sur Facebook. J'ai reçu un coup de fil. Je vais vous raconter l'histoire. Une personne m'a alors dit bonjour, personnalité connue, une dame, qu'est-ce que tu t'emmerdes même à dire même des choses aux gens qui sont sur la toile là. Je dis, mais attends, c'est mon temps, moi je le fais quand je peux. Ouais, tu sais, je peux te présenter à terminer, pourtant t'engager. Je dis, hey, on s'arrête là. D'abord, on y va mollo mollo. Je lui ai rappelé que j'ai été dans le sillon de la famille Disney pendant des années, sous silence. Je lui ai rappelé que j'ai été les enfants, la meilleure amie des enfants du colonel Batraki pendant des années, sans envier leur argent. Je lui ai rappelé que j'ai été la meilleure amie du ministre actuel de la justice au Tchad, sans M. Ahmed Kogri, sans toutefois l'emmerder. Sans envier sa fortune. Je lui ai rappelé que moi, j'ai été la meilleure amie de Kaltouma, la tante de la première dame du Tchad, sans toutefois lui demander son argent. Je ne peux pas citer des Hadja Mariam, la mère de la première dame, qui a gardé mon fils pendant que j'étais en Europe, qui je salue d'ailleurs. Je n'avais pas besoin de leur rappeler ça. Mon problème, c'est de conserver mon âme, mon étoile que Dieu m'a donnée. Parce que c'est un héritage qui j'aurais besoin de céder la passation à quelqu'un d'autre. Le monde n'est pas virtuel. Hein? J'ai des coups de fil que je reçois. Hein? Sauf que j'ai choisi de travailler. Très dur pour gagner ma vie. C'est pour ça que je demande aux gens comme les Véroniques, laissez-nous faire ce pourquoi on a été formés. Allez voler les étoiles des gens ailleurs, laissez-nous tranquilles. On ne vous a rien fait. Quand vous partez faire les associations avec les Bajordan, vous allez nous trouver un chemin. Hein? C'est nous les maîtres. C'est moi le maître. Que tu le veuilles ou pas. Tu vas faire quoi? Tu vas aller où? Si je dis non, tu passeras plus nulle part, ma chérie. Tu ne passeras plus nulle part pour t'être attaqué à moi. Tu vas en payer le prix fort. C'est de bonne guerre. Lorsque vous voyez un Samuel Eto'o,
Abstenez-vous de déverser votre venin sur lui. S'il est devenu comme ça, c'est parce que les gens ont abusé de lui. C'est parce que le système en place au Cameroun contrôle les âmes des gens. Et certains gens, c'est-à-dire que certains gens se laissent aller à ça, à cette anarque. Quand vous voyez un Francis Nganou aller se filmer avec ces gens, ça n'émane pas de sa volonté. Arrêtez de croire que vous détenez la science infuse. Rien n'est immuable. D'accord? À moins que vous voulez que sortent mes gros yeux comme pour moi, Nia Saba. Les gens qui ont atteint le niveau de Francis Nganou, il y a l'œil sur eux. Il y a le mauvais œil sur eux. Ce n'est pas tout le monde qui les applaudit, qui est avec eux. Les gens leur jettent des trucs. Leur adversaire de combat les lance des trucs. Regardez quand vous êtes même directeur d'entreprise. Vos employés, vos noms se retrouvent parfois chez les marabouts. Hein? Lorsque vous employez seulement les gens, même les femmes qui ont les nounous chez elles, les nounous amènent vos noms pour pratiquer, hein, parce qu'elles veulent vous contrôler. Elles veulent avoir leur place. Mais parfois, c'est la pratique qui n'est pas adaptée. Parfois, leur pratique commence à gâter vos affaires. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est chef d'entreprise qu'on ne pratique pas sur lui. D'accord? Les gens comme les Francine Nganou, c'est des gens qui sont combattus. Les gens comme les Samuel Eto'o, c'est des gens qui sont combattus. Vous entendez avec quoi? Vous voyez un pays comme le Cameroun avec des ministres comme ça qui boivent le sang. Vous croyez que qui peut? Vous là qui tirez sur eux. Si on vous donnait la place de Samuel Eto'o ou de Nganou, vous allez faire comme eux. C'est ça le problème en fait. Le problème qui se pose, c'est que vous ferez comme eux. Take it easy. Faites tomber d'abord le système qui a Yaoundé. Si vous faites tomber le système, c'est la racine. Le système de Yaoundé, c'est la racine qui forme les monstres, les Nchele. Regardez sous la toile. Moi, j'ai rien contre eux. Hein. Regardez sous la toile. Ils s'affirment d'être d'un tchèle. Quelque chose qu'au temps d'Aïdjo, ça ne se faisait pas. Les tchèles restaient dans leur trou. On est d'accord? Des reines, les mères qui lèchent les enfants, elles étaient dans leur trou. Mais aujourd'hui, ils pètent plus fort que le nez. Ils sont là. Tu les vois parler. Et dans leurs obédiences, comme ils sont tous dans les. Je remercie les deux là qui se sont fait les demandes à moi, les deux démons là. Parce que la seule chose qu'on vous demande, mes enfants, l'autre fille là, qui a trempé dans toutes les loges, qui est partie au Canada là, avec son shoga, mariez-vous entre vous. Parce que si vous ne vous mariez pas entre vous, on a peur que nos enfants viennent. Vous venez les mélanger là-bas avec le mangla. Vous les mettez les petits démons. Marchez bien. Je veux que votre union dure longtemps. Parce que quand vous vous mettez entre vous, les gens de cette là, nous aussi on cherche des gens qui sont simples pour nos enfants. D'accord? Je vous donne ma bénédiction au nouveau couple. Vous les gens de qui c'est, vous les jeunes qu'on a mis dans les sectes là. Vous qui êtes passés par des cases, des obédients de la farniente. Là, tu n'as pas fini de laver mes assiettes. Il faut venir finir de laver mes assiettes et tu me nettoies tout. Merci et cordialement. La seule chose qu'on vous demande, c'est que mettez-vous entre vous. Vous allez multiplier le bas astral, vous allez faire vos petits démons. Mais laissez nos enfants. Vous faites bien. Si on vous mettait à la place d'un Samuel Eto'o, vous allez faire pareil. Arrêtez de croire que vous allez réussir là où quelqu'un qui a vécu n'a pas réussi. Tellement vous ne donnez pas de l'amour à vos compatriotes.
que les autres en profitent. Aujourd'hui, je vais vous dire, les Togolais, les Congolais, les Béninois, les Ivoiriens, les Guadeloupéens profitent de moi plus que les Camerounais encore. Est-ce que vous entendez la chose? C'est-à-dire, parfois, quand je vois le 237 m'appeler, je zappe les bêtises. Je dis à qui ça y est là-bas avec leur sorcellerie. Pourtant, je suis Camerounaise. Vous rejetez toujours vos étoiles. Si bien que c'est les autres qui viennent reconnaître ça et en profitent de ça. D'accord? Vous avez crié ici que Rigobert Sombana, il est parti, non? On va vous ramener à Moukala, le complexe dû à la colonisation. Jusqu'à quand vous allez retourner sur vos vomissures? Le Moukala va vous gérer jusqu'à quand? Moi, ça me fait chier. Moi, ça me fait chier. Ah ben oui, mais pas au Cameroun, on ne peut pas rester. Le Cameroun est indépendant, mais il n'est pas libre. Arrêtez d'être jaloux de vos compatriotes. Même quand vous êtes dans la sorcellerie, combattez avec vos... Parce que moi, quand quelqu'un m'attaque spirituellement, je te mets à terre. Je te mets à ta place. Je suis très rancunier, en fait. J'ai tout fait pour travailler sur ce côté rancunier, là, sans papa. Je me suis dit, c'est ma seconde nature. Il le faut pour que je sois. Lorsque quelqu'un vous dit que je ne veux pas être du côté obscur, restez dans votre merde seul. Quand vous sortez la nuit, là, vous combattez avec les gens qui sortent avec vous. Samuel Eto'o vit sa vie. Il n'est pas responsable de vos malheurs. Moi, je vois certains gens qui laissent. L'utilisent, c'est-à-dire que, je vais vous dire dans les combats, là, les sorciers sont comme ça. Ils laissent les personnes qui on doit indexer. Ils attaquent toujours les petites mains. C'est-à-dire qu'ils laissent les racines. Ils viennent attaquer toujours les feuilles. Moi, je demande à tous les gens qui font les combats que si vous voulez qu'on fasse vraiment des combats pour faire tomber cette dictature, commençons à la faire tomber spirituellement. D'abord et physiquement ensuite. Vous êtes dans la distraction à outrance. Et vous venez faire quoi aux gens que je ne vous trahirai jamais? À quel moment tu ne vas pas trahir les gens quand tu appartiens à la loge de la franc-maçonnerie qui contrôle toutes les activités au Cameroun? Non. Soyons sérieux. Pour que tu montres aux gens que tu ne les trahiras jamais, commence par sortir de ton obédience, qui est la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie, le sommet de la République française, qui est celle qui contrôle les choses et les affaires du Cameroun, est franc-maçon. Arrêtez ça. Vous pouvez jouer avec tout le monde sauf moi. Vous pouvez tromper tout le monde sauf moi. Lorsque vous voulez combattre un système, il faut combattre les effets secondaires du système d'abord. C'était le 8 mars. J'ai pris le temps de vous dire ici que achetez vos cabas. Dans les associations, vous pouvez acheter le même cabas. Vous faites le 8 mars, vous n'êtes pas obligé de porter les tissus des Rosicruciennes là. Vous avez fait quoi? Vous m'avez écouté et vous venez vous connecter parce que je vais vous raconter des histoires, des esprits, machin et tout et tout. Vous ne dînez pas avec les esprits, c'est moi qui dis avec les esprits, c'est pas vous. Je peux seulement vous le dire, mais vous ne le ferez pas parce que Dieu donne à qui il veut ce qu'il veut. Vous êtes parti porter le kaba. Vous ne savez pas que le simple fait de porter des choses, des incantations là, ça a un effet négatif sur votre vie. Ça fait combien de temps que je vous dis de ne plus porter les kabas du 8 mars là? C'est un peu comme si quelqu'un meurt et que quelqu'un vient vendre les habits. Il écrit là que Joe, paix à ton âme, on n'en a rien à foutre. Que vous le vouliez ou pas, il est mort. Même si vous l'abandonnez dans la rue, il n'est plus dans son état de conscience. Il n'est plus de notre monde, il est de l'autre monde. C'est vous qui allez souffrir de ces odeurs, on n'en a rien à foutre.
Je vous avais dit ici de ne pas. Vous êtes là, vous venez dire que vous soyez en complètement libre. Il faut déjà renoncer à certaines petites choses afin de pouvoir renoncer aux grandes choses. J'ai une idéologie. Quand je dis que je ne vends pas mon âme au diable, même si j'ai faim, que je meurs, tu viens me donner le million corrompu, je te dis non, je ne prends pas. Je tiens mon ventre comme je n'ai pas dormi. Demain, c'est un autre jour. Vous ne pouvez pas me croire, mais ceux qui sont proches de moi savent un peu comment je fonctionne. Je suis dur. Un os très dur à croquer. Même pour s'asseoir à côté de moi, il faut avoir un sang fort. Un sang vraiment très fort. Vous voulez qu'il n'y ait plus la vie chez au Cameroun? Vous voulez que les gens comme les moignons à Sabah dégagent? Commencez à renoncer aux petites choses. Vous êtes sur ma part, tel m'a fait ça. On vous dit n'achetez plus le pain du 8 mars, vous partez acheter. Vous partez. Hein? Belle comme la mort, vous n'étiez pas belle. Vous toutes qui avez porté le Kabbalah, vous n'étiez pas belle. C'est moi qui vous dis ça. Vous n'êtes même pas capable à renoncer aux petites choses. Parce que si vous renoncez aux petites choses, ils n'auront pas de l'argent escompté pour aller dans des obédiences, payer les frais d'un gourou. La dernière fois, on a amené le grand maître de l'ordre de Malte au Cameroun. Vous êtes au courant? La dernière fois, et c'est une femme qui l'a fait venir, on a amené le grand maître de l'ordre de Malte au Cameroun. L'ordre de Malte, c'est une puissante loge maltaise. C'était pour venir endormir l'esprit des Camerounais. Quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les enfants dans les hôpitaux. Ils prennent les enfants qui dorment dans la rue. Ils sacrifient. Ils boivent le sang. Ils enterrent dans les cimetières. Les Camerounais tournent en rond. Regardez! Richard Bonnat, il a chanté, il y avait quoi avant nous? Les gars, les poussiéreux du Cameroun, là, ils prennent ça, ils dansent. Vous dansez quoi? L'un n'est plus à la rigolade. Ce système-là, ils sont là parce qu'ils savent que vous n'avez rien de sérieux. Vous n'êtes pas sérieux dans vos démarches. Une personne qui est sérieuse, ça se sent. Une personne qui est sérieuse, ça se sent. Je vais parler au chef banquier. Oulani, lorsqu'il y a une femme comme moi, Nia Saba, qui existe pendant le règne, c'est que tu as raté. Ça veut dire que tu es un faux, tu n'es pas un vrai chef. Ça veut dire que quand je vais passer à Baranté pour aller voir la tombe de mon frère, je vais m'arrêter, je vais pisser devant ta chefferie. Me sors qu'à l'essence, tu me tu vas où? Le jour où je vais descendre pour aller Abba Kouba, Maman Zekouba, je vais m'arrêter devant ta chefferie. Je vais enlever mon ballon. Ma tignée, je vais pisser devant la chefferie. Parce que lorsqu'il y a une femme comme moi, Nia Saba, qui existe, sous ton règne, ça veut dire que tu es complice des malfaiseurs et des malfaisants. Tu as échoué, chef. Oh, choué, mambo. Tu as échoué. D'accord? Tu as échoué. Donc, en conclusion, il est où? Elle est où ta voiture? En conclusion, c'était pour vous dire que je vous souhaitais un bon dimanche aujourd'hui. Je vais aller à Paris. Je vais aller à Château Rouge. Je vais aller manger du tarot. Je ne sais pas si je vais aller chez Cécile Dema. Je vais aller peut-être chez Cécile Dema pour manger du tarot. Je suis invité. Et puis, je reprends le taf demain. Bonne journée à vous. Et puis, moi, je voulais dire aux gens qui me cherchent que je ne suis pas la personne qu'on attaque.
Je suis pas seul, c'est comme ça. Dieu, il établit ses choses, il donne à qui il veut. À moi, il a donné. Je suis pas celle qu'on attaque. Si vous voulez vivre en paix, évitez de faire des clans, des coups bas, des attaques mystiques et tout, parce que moi, je vais rendre. J'en ai rien à foutre. Même si tu es mouka, là, tu m'attaques, je te rends. Bonne journée à vous, bonne journée. Watson. 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 Garde-toi bien, il y a trop de... Tu sais qu'il y a l'école de police dans mon quartier ici, il sillonne tout le temps. Garde-toi bien. Oui. Mais tu as ramené la 4-4. Garde-toi très bien. Je vais aller m'habiller. Bon, je vais aller chez Cécile Ndema pour manger. Elle fait très bien la cuisine. À bientôt. Au revoir.